or on our website www.segaofeurope.eu on reception report page. Bonsoir à tous, il est 20h30 à Bruxelles, 19h30 temps universel et vous êtes à l'écoute des services, des émissions, des services français et des coiffures. Mais ce soir, c'est direction Strasbourg où le pape François était invité en visite. Aujourd'hui, nous écouterons ensemble son appel aux parlementaires européens dans un instant. Puis nous écouterons la réaction de Guy Verhofstadt, le leader des libéraux. Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, nous rejoindrons Christophe Houillon, membre du comité des régions, maire de Coulaines et vice-président de l'association des maires de France en charge de l'Europe. Il présentera le projet Reconnecter l'Europe à ses citoyens. Bonsoir à tous. Je vous lis en titre, la séance du Parlement européen a pris une couleur toute particulière ce matin avec la visite du pape François. Une visite hautement symbolique, le souverain pontife était venu tout spécialement à Strasbourg pour rencontrer les parlementaires. Il ne s'est d'ailleurs pas rendu dans la ville, signe que la visite était destinée purement et simplement aux institutions européennes. Un peu plus de 30 minutes de discours devant l'hémicycle avec des applaudissements très nourris au terme de la prise de parole. Nous avons décidé ce soir de vous faire partager son appel aux eurodéputés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, la conscience de sa propre identité est indispensable pour dialoguer de manière prospective également avec les pays qui ont demandé à faire partie un jour de l'Union européenne et l'avenir.